suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, je veux y croire, mais j'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tous adeptes du chacun pour soi, personne ne nous respecte et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé, on se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Préoccupés par le besoin, serait-on tous myopes, incapables de voir loin? On veut pas le bien, on veut le gain, quitte à détruire l'intérêt commun. On vit dans l'inconscience des enjeux, mais malgré nous, les médias nous ont mis dans le jeu. Manipulés comme des pions, tout le monde mise sur notre division. On subit la xénophobie, incapable de s'organiser en lobby. On sera toujours des mendiants aux portes de leur monde, tant qu'on croira que le respect se quémande. Le respect s'impose et la lutte est économique, observe la communauté asiatique. Nous on fait beaucoup de bruit et peu de chiffres, on donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impunément, les médias nous salissent, car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque. On fait peur à personne, on est la risée de tous et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée. À part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous et saboter nos propres structures, où est notre révolution? Où est notre révolution? On est en France depuis plusieurs générations et où en est-on? Même si ça me fout un coup au moral, forcé de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Dans le collimateur des médias, y'a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi y'a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne l'est-on pas nous-mêmes? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains, les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs contre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés. Chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question qui sont les plus racistes, y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes, je mets le doigt où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Y'aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Donc on se prendra pour ce qu'on n'est pas, on courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème et pour ça nous salissent. Réalise, tu sers d'idiot utile tant que tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomis la pilule et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse. Elle doit être pensée et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Et ceux qui entrent en politique nous trahissent, se complaisent dans le rôle de l'arabe ou du noir de service. Il suffit de peu pour les corrompre, non pas que le système les trompe. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer devenir quelqu'un en niant ton identité. Ils ont du mal à durer car la trahison est jetable et chaque traître s'assoit sur un siège éjectable. Quant à ceux des nôtres qui réussissent, ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse. Car dans le cœur des envieux et dans les yeux des incapables, la réussite te rend coupable. Est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé en Lexus? Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras. Mais si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Y'a que chez nous que le succès débouche également sur l'impasse, car les derniers veulent te tuer pour la première place. Et tes frères disparus, que tu continues à pleurer. C'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence. Le signe de notre profonde ignorance. On se bute pour du hache, de la coke ou du cash. Et bientôt, on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir, tu vois parfois ton pire ennemi. Je ne serai jamais votre leader, je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur. Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé. Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer.
Et celui qui aime ne triche pas, je dresse un portrait sombre. Mais je ne fais que décrire ce que je vois. Reviens sur terre, laisse tes illusions prendre la mer. Quand tes yeux s'ouvriront, tu feras comme moi ce constat amer. Besoin de solidarité, si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton pire ennemi. Tout ça d'être du chacun pour soi, personne ne nous respecte. Et je crois savoir pourquoi. On est un vin et divisé. On se fait avoir, on forme même pas une communauté. Besoin de solidarité, si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton pire ennemi. Tout ça d'être chacun pour soi, personne ne nous respecte. Et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir, on forme même pas une communauté.